Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les calendriers de l'Avent que j'ai fait pour cette année. Donc, on va commencer avec celui-là, qui est un calendrier de l'Avent pour quelqu'un qui adore résoudre des énigmes, comme c'est écrit dessus. Ici, ce sera des énigmes mathématiques, comme vous pouvez le voir. La décoration de la couverture est super simple, puisque je voulais pas trop en mettre, étant donné qu'il est déjà très lourd visuellement parlant. Ici, j'ai mis un petit die-cut de raton laveur, il me semble, un petit pingouin, etc. J'ai rajouté juste l'année, puisque la personne les conserve, donc au moins elle se souviendra que c'était cette année-là. Ici, sur le côté, je lui offre un petit stylo avec pour qu'elle puisse répondre aux énigmes. Ici, c'est un petit cadeau, donc toujours quelque chose de simple. Et ici, j'ai juste mis une étiquette avec mon nom. Et j'ai juste fait quelque chose de super simple qui ressemble à la couverture de devant. Il se présente comme ceci sur le côté, avec des petites ficelles pour le, des petits rubans pardon, pour le tenir. Et quand on l'ouvre, voilà. Donc ça ressemble à une bibliothèque. Donc dedans, on a plein de petits livrets. J'ai également mis un petit crayon de papier avec une gomme pour qu'elle puisse aussi résoudre les énigmes si elle veut les travailler au crayon de papier avant de les travailler au stylo. Donc ça se présente comme ceci en forme de petit livre. Dedans, il y a de quoi écrire pour résoudre l'énigme. On a une énigme à l'intérieur. Comme ceci et un petit chocolat. Ça se referme simplement avec un petit ruban. Ça se range ici. J'ai voulu faire exprès pour que on ait trois petits bouquins qui situe sur le haut comme si c'était une bibliothèque un peu mal rangée. Il y a donc une énigme dans le livre, mais il y a une énigme dans l'ensemble des bouquins, donc ça lui fait 25 énigmes. Et ici, elle a des instructions au jour le jour. Pour certaines énigmes, elle a des aides, voilà. Donc ici, j'ai une tranche de 8,5. Pour pouvoir faire rentrer le petit livre, et je peux vous montrer à l'intérieur. Nous avons du papier imprimé juste au bout, et tous les petits bouquins sont d'une couleur et d'un habillage différent. Et c'est comme ça, ici aussi on a du papier imprimé. Et ici également. Et ici j'ai caché la petite gomme, mon premier calendrier. On passe au suivant. Donc voici mon deuxième calendrier pour cette année. Donc c'est un calendrier que j'ai fait dans une boîte. C'est des boîtes dans une boîte. Donc cette boîte, je l'ai fait moi-même, puisque toutes les boîtes du commerce n'avaient pas la bonne taille. Ici, tous les papiers, ce sont des papiers de chez Action. Le neuneu également vient de chez Action. Comme ces petits moufles. Je lui ai mis donc un petit décor en 3D comme ceci, et il est fermé juste par une petite ficelle de lin. Donc, je vous montre le motif. Je suis désolée pour le bruit, c'est mon chat qui vient me faire tomber ma bouteille. Donc du coup, je disais, j'ai mis une petite déco en 3D avec calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'ai fait ce test à la silhouette avec ce stylo-là que j'avais également acheté chez Alson. Donc j'ai mis ça dans ma silhouette.
Et il est tout simplement écrit comme un stylo. Et je trouve le résultat plutôt sympa. Donc ici, ça se présente comme ceci. Donc ici, nous avons un petit paquet bonus. Et les boîtes se présentent comme ceci. Donc c'est des boîtes que j'avais achetées dans le commerce. Et je voulais absolument les remettre dans une grosse boîte. Les petits chiffres ont également été faits avec ce petit stylo. Et si je vous montre dans le fond, donc on a bien les 24 boîtes. Le papier est décoré dans le fond. Il y a du papier déco ici et on a également du papier sur les côtés qui est foilé. Je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est du foil également. Et si j'ouvre une petite boîte, nous avons quelques petits bonbons à l'intérieur. Et je pense même que je vais en rajouter parce que je trouve que ça fait un peu pas beaucoup. Donc celui-là est super simple par principe puisque les boîtes existaient déjà. Donc je sais pas, je peux peut-être vous retrouver le paquet. Les boîtes, c'est ces boîtes-là. Donc j'avais trouvé ça chez Aldi à moins 50%. Il existe des chiffres avec. Mais moi, bien sûr, j'ai voulu les faire plutôt en noir et doré puisque je trouvais que ça ressortait bien sur la petite boîte. C'est une boîte qui fait 32,2 par 17,5 et une profondeur de 24,5, c'est ça. Donc je vous remettrai les chiffres au pire. Et donc bah, voilà mon petit calendrier de l'Avent. Voici mon troisième calendrier de l'Avent. Donc c'est un petit modèle. C'est un 21 par 21. Voilà. Il est fait comme ceci. Donc il faut savoir que c'est des papiers que j'ai imprimés à l'imprimante. Qui sont à la base du papier. Je ne sais plus de quel site, mais je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ici sur le côté, nous avons un petit bijou d'album. Donc les petites plumes, je crois que je les avais trouvées l'année dernière chez Action. Les perles sont aussi de chez Action. Les grelots, c'est de la marque... je ne sais plus si c'est Toga, Artemio ou quelque chose comme ça. Un petit nœud ici. L'arrière est simplement de cette couleur. J'ai rien rajouté. Donc sur le devant, j'ai un gros ruban blanc pailleté. Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc bien sûr, je ne vais pas ouvrir les boîtes puisque sinon la personne saura ce qu'il y a dedans et c'est pas le but. Donc comme ceci, qui sont également des papiers imprimés. Et mon bijou d'album tient simplement avec un nœud ici. J'en profite pour vous présenter Coca, la petite nouvelle de la famille, qui a très envie de jouer avec les plumes. Hein ? C'est connu ça, les chats avec les plumes. Et il est impossible pour moi de faire cette vidéo sans qu'elle apparaisse puisque les petits grelots m'intéressent fortement. Et ça fait déjà au moins 10 fois que je recommence la vidéo, donc je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais vous présenter Coca. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu de le découvrir. Le prochain calendrier de l'Avent, vous le verrez certainement en tuto. Si j'ai le temps de le monter. Et je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Donc je vous laisse avec ce calendrier là. Je vais me dépêcher d'aller cacher les plumes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en mettant un petit pouce. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.